Bon, ben, c'est le matin. Je pense que vous voyez le soleil qui éclaire mon visage. Je vais me tourner parce que ça me tue les yeux. Donc là, on va aller sur la côte atlantique, Mwanda. Depuis Kinshasa, 10 heures de route. 10-11 heures de route. Sur la route, on va s'arrêter à différents spots parce qu'il y a franchement, il y a des beaux spots sur lesquels on peut s'arrêter, visiter et tout ça. Donc, ça va un peu allonger le temps, mais bon, c'est cool de voir des belles choses, donc on va le faire. Donc, vous allez voir tous les spots différents qu'on peut retrouver le long de la route et où on peut se poser et tout, enfin visiter en tout cas. Allez, on se revoit là-bas. Nous sommes au premier arrêt, le jardin botanique de Kisantu. Je vous montre déjà le cadre, incroyable. Donc on va voir plusieurs animaux, le crocodile, le chacal, le python, le babouin. Donc je vous montre ça là. Je me mets au soleil pour bronzer un petit peu, vous connaissez. Hein. Posons les gars, c'est fou. Le jardin botanique de Kisantu, c'est incroyable. C'est incroyable. Ben, si vous aimez le contenu, il faut souscrire. Activer la petite cloche, vous connaissez, vous savez quoi faire. Rien à vous apprendre. Regarde, il y a des bancs. Donc, tu coupes les matiques. Là, il y a les matiques. C'est dommage. Incroyable, le soleil, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc là, c'était la maison du chacal. Là, c'est la maison du chacal. On va aller le voir, il est juste là, le chacal en train de dormir. Ici, on a le babouin. Il est où? Il est là. En train de me montrer son cul d'ailleurs. Bah moi. Il est là. Tourne. 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 Tout il tourne. Tourne. Voilà, il est en train de me montrer son cul, c'est incroyable. On continue la visite. Là il y a un petit babouin mais on le voit pas très bien. Donc le jardin botanique, il est vraiment magnifique. Donc là on va aller voir le crocodile. Puis on va aller voir le python. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment magnifique. Ok. Des cheveux. Ah, pour la coloration. C'est un petit arbre pour faire des colorations de cheveux. On utilise ses fruits pour colorer ses cheveux. Pour colorer les cheveux de quelqu'un quoi. On va aller voir le crocodile. J'espère qu'il est réveillé.
Je suis le néerlandais. Parce que si tu vas là-bas, tu le prendras bien. Je ne sais pas si tu seras. Donc là, on voit le petit crocodile qui est en train de faire bronzette. Ah, il est posé, le croco. Hein. Il bronze bien. Incroyable. Il semblerait que le crocodile soit un mâle, je sais pas trop. Mais en tout cas, il est posé comme jamais dans sa petite maison. Et sa petite fontaine juste à côté. Ah, c'est incroyable. Il bouge pas. Il bouge pas d'un poil. On vient de voir le crocodile et le python, le chacal aussi. Donc franchement c'est magnifique, le cadre il est incroyable. Je sais que je me répète mais voilà, c'est magique, on continue. Ah. Petite visite des plantes, on va voir ce qu'il y a de beau au niveau des plantes. Je vous montre ça. Bonjour chef. Il y a différentes variétés de plantes. Il y en a vraiment pas mal. Bonjour papa. Je dois avouer que l'endroit est vraiment magnifique en fait, c'est... Il est hyper reposant, dans le sens où, voilà quoi, le calme. Tu viens ici un petit week-end, bam, tu te poses au calme, t'as la nature autour de toi. Check-moi ce chemin. Et franchement, si ça c'est pas magique, je sais pas. Regardez-moi les alentours. C'est pas magique, je sais pas comment décrire ça. C'est juste incroyable. Franchement, checker les alentours. C'est juste trop verdoyant. C'est vert de chez vert. Il y a des arbres que je connaissais pas du tout. Checkez-moi la taille. Celui-là, il s'appelle Eucalyptus globulus. Celui-là, il est énorme. Là. Eucalyptus globulus, celui-là, il est énorme. Il est hyper haut. Par contre, la chose un petit peu dure, c'est que moi, je suis en bras cassé, puis j'ai mis un short. Ça fait que je me fais piquer par les moustiques, t'as même pas idée. Mais bon. Je savais à quoi me tenir, donc c'est normal.
Sur ces belles images, on peut apercevoir près du jardin botanique la rivière Inkisi, qui signifie fétiche selon les dires des habitants des abords. C'est dans cette rivière que l'on jetait les objets des rituels ancestraux lors de la conversion au christianisme pendant la colonisation. Bon, ben, du coup, fin de la visite du jardin botanique de Kisantu. On va continuer la route vers la côte atlantique, vers Mwanda. On se retrouve pour la suite, les gars. Sur ces belles découvertes, nous allons continuer et nous diriger vers les chutes de Vampa, parce qu'il nous reste encore beaucoup de route à faire.